Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue sur Piment TV, bienvenue aussi dans l'océan Indien, plus particulièrement à l'île de la Réunion, parce qu'à l'île de la Réunion, nous reçoit un groupe aujourd'hui. C'est quand même assez rare sur Canal Austral d'avoir un groupe qui fait typiquement, mais essentiellement, peut-être qu'il fait autre chose, je ne sais pas encore pour l'instant, je sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Oui, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Au moins, ça, c'est fait. Le groupe s'appelle Lyrical Soldier. Ouais, un peu compliqué le nom. Mais de toute façon, inquiète pas ça, parce que Bonal est là avec nous depuis pas mal de temps. Là, depuis tout à l'heure, l'arrivée, nous avons commencé à causer un petit peu. Et nous avons avec nous Farrell. Bonjour Farrell. Bonjour Jean-Claude. Leader du groupe. Leader du groupe. Hein. Et il est normal, c'est du plus gros. Hein? Hein? Avec elle, hein? À au plus petit. À au plus petit. Hein? Et smoke, à au fume un peu trop, quoi. Je sais pas. Mettre le micro de votre bouche, sinon Richard. Je sais pas, peut-être. Smoke, hein. Yes. Smoke, Kael et Farrell. Farrell au milieu, Kael de l'autre côté et Smoke par ici. Hein. Yes, yes. Alors, on a des noms un peu bizarres. Pourquoi Kael, c'est un diminutif peut-être de Judical, mais il ne connaît pas trop. Hein. De Michael, plus exactement. De Michael. Yes, d'accord, Michael. Alors. Et Farrell? Farrell, mais il m'appelle Raphaël, mais il m'appelle Farrell. Ouais, ouais, ouais. Et simple. Mmh. Et où Smoke? Ben, à moi, ben, comme Wadjo même. Tire un petit peu de trottisme. On n'est pas là où Smoke. Peut-être, peut-être. Peut-être. Il aime la fumée. Il n'y est pas fumé. Voilà. Il n'y a pas fumé. Et Zoti fait du reggae. Mais il y a un truc qui est bizarre, moi là. On m'a pas trop compris. La pointe N dans Zot 3, il y a une petite affaire vers zone rouge avec Zot. Comment ça se fait? Il faut roder, il faut les chercher. Non, nena, 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 nena. Il faut roder, il faut roder. Les cachettes, il faut roder. Ah non, même si les cachettes, il est là, dans le quai aussi. Il est dans le quai alors. Pourquoi avoir fait du reggae, Zot, musique de prédilection comme ça? Hein, Farrell? Eh ben, sur reggae. Sur reggae, on dit des choses vraies. Ouais. Gars, il chante l'amour, ou gars, il chante la paix, la vérité. Ou gars, il aborde pas mal de sujets sur reggae. Ah ouais? Donc c'est pour ça que on a. Est-ce qu'on peut dire que dans le reggae, tout est permis de dire? Non. 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 La vérité. On a quand même une certaine retenue. Non. Quand la limite du respect finit de passer, il n'y a plus pour reggae. Ah, ah oui. D'accord. C'est l'effort, c'est surtout le respect. Il faut un respect. Ouais, ouais, ouais. Le reggae est un dérivé d'une presque une religion. Ouais, le Rastafari. Ouais. Hein? Le reggae, la CEA va promotionner le Rastafari. Ouais. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, dans l'époque où nous vivons, le reggae, quand on parle de reggae, on parle de vert, jaune, rouge, ben, on parle forcément de paix, on parle forcément de respect, on parle forcément d'unité, on parle forcément d'une croyance divine. Ah ouais. Et le Rastafari est avant tout presque une philosophie. Oui, c'est une religion, et une philosophie basée sur le respect des autres avant tout. Ah oui. Hein? Ouais. Ben, nous-mêmes, nous avons fait reggae, mais nous ne les pas pratiquons Rastafari. Nous avons comme il est Malba, il est pareil, Malba, Malgache, Malba, Malgache. Ouais, nous chantons reggae, mais nous n'est pas forcément Rastafari. Mais nous avons respect, nous chantons la paix, nous chantons l'unité. Mm-hmm. Donc, je pense que. D'accord, alors. Hein. Et il y en a des gens qui chantent aussi du reggae et que les autres aiment bien. Il y a pas le Blacko, l'autre, il y a pas le Pixel. Et quand les deux chantent ensemble, il fait un affaire, il y a pas le Réunionné. Ça, les autres, ils kiffent bien le morceau comme ça. À mort. À mort. Le vibe, l'est fort, le message, l'est fort aussi, surtout. Ben, comme Banaï dit, nous ne pouvons pas oublier où ça nous sort, qui nous l'est. Donc, Banaï rappelle ça là-dedans. Donc, comment dire, la jeunesse aujourd'hui, ça te dit que ça les rayonner. Nous dit que nous les rayonner, mais est-ce que nous connaissons vraiment ce que c'est quoi un rayonner à l'heure d'aujourd'hui? Ouais, et Banaï là-dedans, il pense qu'ils remettent à nous beaucoup en question. Ouais. Donc, c'est pour ça que, ben voilà, là, comme il y a plus de depuis tout à l'heure, ben, avec reggae, on aura différents thèmes, mais. La base, c'est la vérité. D'accord. Donc, alors, un ami propose de nous écouter un petit coup le morceau de Blacko avec Pixel, réunionnais. Après, nous vient cause un petit peu sur cette réunion-cité, pas tout. Quand c'est un Malba, il connaît, dit un Malba cité, mais quand c'est réunion, il ne connaît pas trop comment il dit. Hein? Réunionnaisité. Réunionnaisité, mais bon, on n'a pas trop bien compris. Pas grave, nous écoutons un petit coup Banda, peut-être Banda dans la chanson, il dit nous. Mais bon, allez, il est parti. Yeah. Yeah.
le qui ça il est. Ah ouais, rayonner, ouais. Ah ouais, ouais. Jusqu'à la mort, n'a représenté nos couleurs rayonnées. La vie fait pas de cadeau, mais remercie bon Dieu. Le plus bel cadeau, c'est d'être rayonné. Et quand ta zone, ça pète. Black au pixel, là où même on connaît. À la bouche, à ta nouvelle qualité. Le nappeur, les mains. Ça pour mon petit pays, mon Zion, mon petit bout de paradis. Culture métissée, agrate comme on nous les olis. Terre de mixité, toute bonne religion réunie. Mille et fiers mon goulet, mille et fiers mon nation. Mets en l'air le 9-7-4. Ça mène mon mission, pour mise en de la voix, pour mire ici comme un lion. Faut de mon y entendre à nous de Paris à la Réunion. Si vous connaissez pas, t'en ma présente à où. Black au pixel vous représente à nous. 9-7-4 soldats, il a taille, il tient le bout. Toujours sur la route, à coup de l'est toujours debout. Lyricalement, la guerre, fond de cœur marronnaire. Nous brûlons le code noir avec le code de l'honneur. Fais sonner le rouleur, la fine arrive l'air. Allons mettre ensemble pour mettre la réunion en l'air. Rayonner, 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 ouais. Rayonner, 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 ouais. Ouais. Jusqu'à la mort, n'a représenté nos couleurs rayonnées. La vie fait pas de cadeau, mais remercie bon Dieu. Le plus bel cadeau, c'est d'être rayonné. Et quand ta zone, ça pète. Black au pixel, là où même on connaît. À la bouche, à ta nouvelle qualité. Le nappeur, les mains. Vous connaissez qui ça il est. Quand on est en Somalia, ça connaît tout ça il est. C'est pas West Indian, c'est d'accord. L'enfer est pâté, là la réunion. Tout le monde, les mêmes hauteurs. Où à mon couler. Notre couleur rayonnée. La vie fait pas de cadeau mais remercie bon Dieu. Le plus bel cadeau c'est d'être rayonné. Et quand ta zone ça pète. Black au pixel là où même on connaît. À la bouche à ta nouvelle qualité. Le nappeur les mains. Nous qu'il tire les belles. Faut nous préserver Ali. Faut nous défendre Ali. Il faut nous porter Ali. Faut pas nous laisser Ali. Et peu importe où ça mais ça va. Peu importe. Tous amis, mon gay bat pour Maloya. Mais ces quatre soldats nous les viennent d'être rayonnés. Wow. Jusqu'à la mort, n'a représenté nos couleurs rayonnées. La vie fait pas de cadeau, mais remercie bon Dieu. Le plus bel cadeau, c'est d'être rayonné. Et quand ta zone, ça pète. Black au pixel, là où même on connaît. À la bouche, à ta nouvelle qualité. Le nappeur, les mains. Le nappeur, les mains. Le nappeur, les murs. Le nappeur, les sûrs. Oh, oh, aïe, prenez qui ça il est. Ah ouais, 9-7-4, on va. Ouais, Oui, Placo, ha, Pixel, yeah, Lord. Eh bien, nous revoilà après ce morceau de Blacko et Pixel. Pixel que nous connaît bien, Réunion est bien chez nous. Hein? Oui, oui. Et, oui. Et Blacko, un bougla, habite un bon peu en France, à Paris plutôt. Hein? Mais quand on nous parle de Blacko, nous ne pouvons pas parler d'un autre boug à côté, la fesse que Blacko il est, puisque la matinée au monde, hein, à mon avis, oui. Il s'appelle Galva. Oui. Et Galva, chez nous, tout le monde y connaît Galva. Hein? Tout le monde. Un grand monsieur, ça. Voilà, hein? Même à nous, nous garde l'identité, nous respecte à lui. Hein? Là, en direct, nous dit, il y a gros big up, monsieur Galva. Ah, ben, son, de se chanter, de se causer, ben, Bougla, les forces. Nena des messages dans ce qu'il dit. Il disait, moi, dernière fois, que Nena des fois, il écrit aussi des morceaux pour Blacko directement. Il envoie là-bas. Il a dit, souvent,
prends, on ne pas, prends, on fout là-bas. Parce qu'il n'y a pas à aller, lui. Hein? Il ne passe pas par quatre chemins. Ah, il passe pas par quatre chemins. Voilà, voilà. Alors, donc, nous parler tout à l'heure, Kael, cette façon de vivre à la Réunion, hein, réunionnésité, comment on dit ça? Réunionnésité. Réunionnésité. Hein, voilà. Hein? Qu'est-ce qu'on pense? Comment il faut vivre à la Réunion pour que nous soyons réunionnais à part entière? Ensemble, ben voilà, ensemble. Tout simplement. Mmh. Mais dans le nom réunionné, n'est-ce pas déjà la réunion, il faut nous les unir. C'est ça la base. Avant, me dis pas que l'évolution l'a fait perdre à nous. Tout ça là, mais en partie. Parce que, comment dire, aujourd'hui, chacun, l'un peu chacun pour soi maintenant. Avant, on n'avait pas rien, mais tout était ensemble. Ouais. Justement pour avoir un petit bout, un petit peu. Mm-hmm. Ben, c'était, ben, chacun il peut avoir son chacun, ben, chacun reste dans son côté. Ouais, avant, nous étions plus unis que maintenant. Nous étions plus unis que maintenant. Hein? Et c'est ça que tu chantes un petit peu dans notre bon morceau, c'est ça que tu défends à travers notre chanson. La vie, manière, ça va, regarde demain, comment il est, tout ça on a fait pour arriver, tout ça, la maladie, la misère, nena. Attends, si nous n'est pas unis, nous n'est pas solidaires en nous, ben. Difficile, c'est difficile. Demain, c'est difficile, je pense. Et dans un bon écrit, dans un bon texte, là, qu'on s'y retrouve la plupart du temps. L'amour, la contestation, parce qu'en fait, dans le reggae, on conteste beaucoup. On dirait que c'est une musique engagée. Alors, une musique engagée, c'est une musique dans laquelle on dit vraiment ce que vous ne pourrez pas dire comme ça tous les jours. Hein? Mm-hmm. Vous trouvez un homme politique devant lui, mais il n'a pas dit à lui des choses. Alors, on ne dit pas à la chanson. Ouais, donc, dans notre musique, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la revendication, c'est. C'est tout ça. C'est un mélange de tout. Medley nous va dire. T'as un medley? Ouais. Une chanson, on en a un peu tout. Ben, on en a la contestation. On en a. Ben, respect, il revient beaucoup aussi. Parce qu'il dit sans respect, nous ne pouvons pas connaître la paix. Mm-hmm. Et puis, on en a ce côté, ben, pousse de mon rôle aussi. Ouais, ben, dit le monde la vérité comme il est. Des choses, parce qu'on a des vérités, il n'est pas dit. Peut-être. Un peu de critique aussi, des fois. Oui. Ah oui, ben, parce que vous en avez un morceau, un clip que nous verrons tout à l'heure à la fin de l'émission, il s'appelle Ladi Lafé. Donc, dans Ladi Lafé, c'est un vrai. J'ai un peu critique, de toute façon. Les trois causes vont couillon, non, ben, non, non. La musique, c'est ça. La musique, c'est ça. La musique, c'est. Il paraît un miroir, ou mettre devant le monde, ou moi, il voit comment il est, ou moi, il est. Tout simplement. Tout à l'heure, je disais que dans notre tenue vestimentaire pour des gens qui chantent du reggae, la pointe trop du vert zone rouge, à part le dessous de bracelet là-bas, mais il faut aller rôder à la loupe. Hein? Et là, Johnny Dunker. Dunker, voilà, il faut aller rôder. Ben, rôder. Et il y a un camarade là, il chante un morceau, le morceau s'appelle Vert zone rouge, hein? Un remix. Maman, il appelle comment lui? Yanis Odua. Yanis Odua. Yanis Odua. Alors, qui est Yanis Odua? Ben, Yanis Odua. Ben. Comment on dirait Dada dans le monde du reggae? Ah ouais? Ouais, c'est reggae français, c'est un grand, il beaucoup de messages qu'on peut mettre avec Blacko, quoi. Mm-hmm. Ouais, c'est bon grand, c'est pas Banna que nous l'a eu l'amour aussi pour reggae, si nous peut dire, c'est bon mama, comme Blacko, comme Yanis Odua, Pixel, c'est tout ça qui fait que aujourd'hui nous écoutons reggae et nous passons un message aussi. D'accord. C'est banal, il faut réfléchir à nous. D'accord. Voilà. C'est comme ils disent, c'est en bûchant qu'on devient bûcheron, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en écoutant Yanis Odua qu'on devient chanteur de reggae. Yeah. Peut-être pas en écoutant Yanis Odua qu'on devient chanteur de reggae, mais pour nous, c'est bon, c'est comme ça. Comment la mettre en nous sur la voix quand nous écoutons des autres, nous écoutons ce que tu fais avec cette musique, que tu dis dedans. C'est bien, à nous, écoute plus reggae. Ben, moi, je n'ai pas découvert reggae par Bob Marley, comme beaucoup. C'était une génération un petit peu après Bob Marley. Mais moi, je découvre reggae par Blacko. Oui. Mais pareil, ben, c'est comme écoute Ali, je n'ai pas tiré de Bob Marley. Donc, Ali, pareil, il a tout ça. Ben, nous chanteurs, il y a ni ce duo à Blacko, ben, comme si c'était. On a tout ça là, des autres, ça représente tout ça là pour nous. D'accord, là, ben, écoute, ce que nous faisons, c'est que nous écoutons un petit coup Yanis Odua. C'est ça? Odua. Odua, il dit Odua. Hein? Yes. Ah, ok, ben, c'est un mot créole aussi, ça. D'ailleurs, il était la Réunion aussi, il n'a pas trop longtemps. Martinique, ça. Martinique, Odua. Odua, après le morceau, il appelle vert, jaune, rouge. C'est bon? On revient après? Yeah. Ok, yes. Allez, à tout de suite. J'aime
rêve en flotter dans les airs. Le capot rouge en vert. Dans le conquering lion. Passe ma vie de l'atmosphère. De la joie, de la bonne humeur. Pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives. On laisse place au bonheur. J'aimerais voir flotter dans les airs. Le drapeau rouge en vert. Que le conquering lion. Passe ma vie de l'atmosphère. De la joie, de la bonne humeur. Pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives. On laisse place au bonheur. On place en premier le rouge qui montre que Rastafari bouge. Long dreadlocks ne veulent pas dire que ce sont des Rasta. On fait trop souvent l'amalgame entre Bambakou, le Rastamonde. Représentant de Jah voudrait mieux respecter ça. On essaie de suivre ces lois qui ne sont pas si dures que ça. Robot que le tribe sous Nayambol, il y a de la place pour toi. Si tes intentions sont clean, c'est le bienvenu, installe-toi. Regarde bien qu'il n'y ait pas de combine, les loups sont partout à la fois. J'aimerais voir flotter dans les airs. Le drapeau rouge en vert. Que le conquering lion. Passe ma vie de l'atmosphère. Que la joie, de la bonne humeur. Pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives. On laisse place au bonheur. J'aimerais voir flotter dans les airs. Le drapeau rouge en vert. Que le conquering lion. Passe ma vie de l'atmosphère. Que la joie, de la bonne humeur. Pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives. On laisse place au bonheur. Deuxième position, le jaune symbole du soleil qui rayonne. Sur son trône, sa magnificence impressionne. Vu tout l'amour qu'il nous donne, pour lui y'en a qui rigonne. Jusqu'à maintenant, nous pardonne dans l'espoir qu'on se perfectionne. C'est peut-être le dernier rappel avant que toutes les cloches sonnent. Peu de temps pour les querelles, y'a plus de race, y'a que des hommes. Ça ne complexe, excelle, donc sont contents de ce qu'on leur donne. L'argent et l'or ont leurs fidèles qui veulent en avoir des tonnes. J'aimerais voir flotter dans les airs. Le drapeau rouge en vert. Que le conquering lion. Passe ma vie de l'atmosphère. De la joie, de la bonne humeur. Mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives. On laisse place au bonheur. J'aimerais voir flotter dans les airs. Le drapeau rouge en vert. Que le conquering lion. Passe ma vie de l'atmosphère. De la joie, de la bonne humeur. Pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives. On laisse place au bonheur. Le père représente Zion. Pour une bonne méditation. Respecter la faune des champs. Seule l'évasion qui fonctionne. C'est normal d'enfermer les hommes. Interdire tous les mobiles hommes. Sur la liberté on se questionne. En plein cœur de Babylone. Le père c'est aussi tout ce qu'il y a de naturel. Non. Des flaques vers la rouge spirituelle. Non. C'est notre remède. Put it in my head. J'aimerais voir flotter dans les airs. Le drapeau rouge en vert. Que le conquering lion. Passe ma vie de l'atmosphère. Que la joie, de la bonne humeur. Pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives. On laisse place au bonheur. J'aimerais voir flotter dans les airs. Le drapeau rouge en vert. Que le conquering lion. Passe ma vie de l'atmosphère. Que la joie, de la bonne humeur. Pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives. On laisse place au bonheur. Ben nous revoilà. Nous revoilà toujours sur le plateau de Cause pour nous avec Détroit Dalo, un groupe, ça veut dire moi, on avait Kael, on avait Pharrell, on avait Smoke. Le groupe s'appelle Lyrical Soldier. Alors, on oublie de demander à la sorte, c'est quel endroit de la Réunion? Bois d'Olive. Bois d'Olive, Saint-Pierre là-bas alors. Saint-Pierre. D'accord. Sud. Alors, le sud n'a plus de reggae man que dans le nord, ou bien sinon. Non. Pas plus qu'ailleurs. Tu peux pas tout. Alors, vous êtes là, mais parle un petit peu de ça, hein, et prends pas l'image, hein. Bon, pas mal, parce que le sud est bien à soleil, la terre est bon, la toute affaire pousse, hein, il pousse un petit peu mieux là-bas. Ouais, ben la soleil, ben, comme par toute la Réunion. Hein. Ça, juste pour faire un cliché, ça, en disant que les gens qu'on a des lox, quand il est habillé en vert, zone rouge, forcément, ils fument. Est-ce non, que on est pas obligé. Les obligés non. À moi, je peux confirmer que non, parce ouais. que mi côtoie de monde, peut dire, mi côtoie de monde, n'a de lox, rasta, comme il dit. Comme créole, il dit ben, qu'il ne fume pas.
Ouais. C'est pas une obligation. C'est un cliché, ça. Mais même je demande à les autres pour que nous effacent ce cliché-là vis-à-vis de tout le monde qui regarde nous. On peut effacer ça direct. On bien fait demande à nous parce que la semaine prochaine, là, nous pouvons traverser un clip, un morceau que nous parle de ça dedans. C'est un reggae, nous parle de comment le monde a drag l'os les vues. Mais donc, peut-être nous aura l'occasion de faire tout en Haïti sur le canal. Bien sûr, forcément, parce que je pense que dès que le clip sera fini, on va envoyer pour nous quelque part. Alors, porter des locks, c'est aussi faire partie de ce monde de Rasta. Pas forcément aussi. Pas forcément. C'est là dans les deux cas. Mais où la pointe hein? Donc, c'est où c'est la personne intérieure. C'est où pour ça l'intérieur, on a bien zone rouge dans le cœur, allez dans le à l'intérieur. Justement. Non, mais pas forcément, parce que. Comme les clichés que nous viennent de voir avant, beaucoup ils disent « Ah, Rasta, ça les fume, ça les fume. » Pas forcément. Ben, un gars n'a pas de lox, ben, il peut amener la vie rastafarienne. Ouais, il peut avoir cette hygiène de vie-là. En fait. Ouais. Ça, c'est une hygiène de vie, être Rasta pour moi. Pour moi, c'est mon vision à moi. Et c'est une vie détachée, quand il dit ça, détachée de tout le monde un peu luxueux, le monde est toujours matériel, tout ça. Revient à l'essentiel. Ouais. C'est vrai qu'une fois, on était à Rodrigue là-bas, on a les Rastas, ben là, ils vivent plutôt en forêt, dans une petite cabane. Les autres, ils plantent, les autres, ils mangent, d'autres affaires, les autres même. Ils ont en autosuffisance, et c'est ça, notre vie. Et c'est l'un des meilleurs chanteurs. Même à La Réunion aussi, il y en a encore des gens, ils font ça. Dans les hauts, là-bas. Dans les hauts, d'accord. Alors, si on revient à l'essentiel, vraiment, du groupe, Liquiral. Lyrical. Alors, si Mi m'a compris, c'est peut-être il y a trois mots dedans, il reprend un peu son prénom, non, c'est pas ça? Non. Du tout? Lyrical, alors explique-moi, c'est quoi? Lyrical, en fin de compte, soldat, il veut dire soldat. Ouais. On va mettre jazz, il veut dire bon Dieu. Donc, soldat, il veut dire bon Dieu. Et lyrical, c'est par les mots, pas. Lyrique. Nous les des soldats, mais nous fait pas la guerre avec les armes, nous. Avec les mots. C'est ça, les bêtises. D'accord. Et parmi tous ces mots-là, qui est l'auteur de tout ça? Chacun écrit. C'est comme un exposé. On dit bon, aujourd'hui, ça parle un peu, respect entre nous-mêmes, tout ça là. Mais là, nous trois, nous prenons notre papier, respirons nous-mêmes, nous écrit chacun notre couplet, on me donne un ton, un refrain, et puis les parties comme ça, puis nous arrivons chez le gars, il fait la musique, il compose, et puis nous travaillons comme ça. Il y a les autres de prendre des morceaux, des rédimes. Oui, rédimes, pour comment, de toute façon, quand on commence, et vous n'êtes pas un joueur, vous n'êtes pas un musicien, vous voulez que chanter, mais dire le rythme là, très l'aide à nous à apprendre, connaître les accords, suivre un accord. Tout ça là, le rythme là, aide à nous bomber ça. D'accord. Et là maintenant nous compose, maintenant nous peut dire nous inventer un lien dans notre tête, et après nous remettre ici sur le clavier, mais avant non. Des morceaux composés, écrits, enregistrés, on a pour combien comme ça? Tu sais, c'est une mi-compte, quand on te rend juste à nous par nous-mêmes, Nena, un album surtout, je peux revenir dessus, il appelle l'essentiel justement, que dans ton là, ne t'appelle pas Lyrical Soldier aussi, nous t'appelle Zenes Musicalement Militant. C'est par rapport à ça aussi que nous change de nom. C'est trop compliqué. Zenes Musicalement Militant. Maintenant, garde le même concept, mais en chant. Raccourci un peu. D'accord, alors, voilà. D'accord. Et des clips, combien comme ça? Un même. Enfin, quoi, c'est là vraiment que nous commençons. D'accord. Ouais. Travail propre, professionnellement. Avant, on était fait à nous-mêmes, on était essayé de faire notre train à nous-mêmes, mais on dit, t'es bon, mais après, quand la qualité, le son, t'es pas ça, ou on ne connaît pas bien le réglage, tout ça là. Mais là, comme là, c'est vraiment, nous travaillons avec des professionnels. D'accord, un clip qui appelle l'a dit, l'a fait, que nous verrons tout à l'heure. Mais là, comme il faut que nous jouions un morceau ensemble pour que nous voyons un petit peu ce que j'ai chante. On a un morceau qui s'appelle Love Your Life. Aime ta vie. Et c'est vraiment important dans ce que j'ai vis tous les jours. Très important même. Ouais. La vie, c'est... Parce qu'on a beaucoup de monde et ils n'aiment plus trop la vie comme elle est là. Ah bon? Si on entend,
Nena déjà il fait l'attente, il tue beaucoup de monde. Nena il jette les autres corps aux autres même, il suicide, nanani, nanana. Ben il pèse beaucoup, nous dit que la ville est dure déjà pour être là, elle est dure déjà. C'est pas où choisi pour être là déjà. Essaye, tiens beau, essaye aime la ville là comme il aime, comme il gagne. Ah ouais, ok. Ben, comme je n'ai pas musicien, les autres trois, hein. Moi, je vais prendre une guitare. Hein. Richard a moi une guitare électrique parce qu'il paraît que pour faire du reggae, le reggae électrique, c'est meilleur le son. Hein. Moi, le reggae, ce n'est pas trop mon affaire. Mais j'essaye de jouer avec les autres. Et puis après, c'est un morceau que les autres chantent à trois. Hein. Oui. Chacun y chante un couplet comme ça. C'est pas forcément pour l'art, là. Hein. C'est que nous, ça fait ça. C'est vraiment dans le morceau même, les autres chantent à trois comme ça, alors. Oui. D'accord. C'est tout le temps. Tout le temps, c'est comment c'est... Un refrain et chacun est coupé. Presque à la limite d'un freestyle. Non, c'est vraiment organisé, c'est bien, raison, vraiment réfléchi tout ça. On a moi me fait l'intro, après on a un refrain, et me fait un couplet, on a un refrain, Ali lui fait un couplet, on a un refrain, Ali lui fait un couplet. C'est vraiment chacun se couplet, d'accord, chacun se parti. Après, en parlant de freestyle, souvent, les chansons que nous fait, ben, il parle de freestyle. D'accord. Comme nous t'ai dit tout à l'heure, Rijim y aide à nous beaucoup. Sur Rijim, nous va aller en freestyle, nous va échauffer la voix comme ça. Et c'est comme ça que nous trouvons ben, tous les morceaux que nous avons pu faire jusqu'à maintenant. Ben, c'est grâce à des freestyles. D'accord. Ouais. Alors que... La vieille école, quoi. Ben oui. Il nous fait ce morceau-là. Hein? Allons. Il prend la guitare et puis après, ben, il nous a fait hein? Le morceau lui, en la mineur. Parce qu'il y a un beau peu de musiciens, il écoute à nous. Vous venez dire tout de suite. Hein? On l'a mis en garde à moins quand il jouait sous le bras. Ou bien sinon, c'est écouter. Puis il dit morceau en la mineur. Non, il est en la mineur. Hein? Voilà, en la mineur. Et il est bien parce que faire un reggae en la mineur, parce que vous connaissez que le la mineur, c'est la note qui est la note de la création du monde. Hein? Ouais, oui, parce qu'il paraît que le Big Bang, qui est à l'origine de la création du monde, hein, ça va encore, il a grandi encore de façon exponentielle, ça a grossi, comme une pierre, ou mettre en l'air une montagne, dans la neige, en bas, il roule, quand il arrive en bas, il a une grosse boule, hein, une boule de neige, j'appelle ça l'effet boule de neige, et bien le la mineur, c'est exactement le son que fait le Big Bang quand il s'en va dans l'univers. Ouais. Ben là, on va prendre un affaire. Allez, nous, ça fait bon, on arrête de philosopher, après, on nous revient. Yeah. Allez, yes. Yeah. Avant que la mélodie de ma vie se termine, avant que ce système hypocrite nous assassine, j'aimerais prendre mon temps qui fait ma life clean, croquer chaque seconde de la vie, me nourrir ses vitamines. Donner priorité à ce qui est important, qui fait la life avec ma famille, mes amis, mes enfants. Combattre mes démons au lieu de combattre les gens. I love life dorénavant. People love your life comme une bénédiction de Jah. People love your life, yeah. Malgré les soucis, les aléas, la vie vaut la peine d'être vécue. I prefer à nous de changer nos destins. Vivons cet amour qu'on a reçu, yeah. Vivons le n'attendons pas la fin. Je veux vivre comme un vivant et non comme un survivant. Donc même quand je galère, je profite de chaque instant. Je ne veux pas suivre le troupeau, donc je sors des rangs. Vraiment important. Plus je vis, plus je me fous de ce que pensent les gens. Car seul je peux me donner son jugement. Je regarde que le regard fixé vers l'avant. Car à l'horizon, c'est une belle vie qui m'attend. People love your life comme une bénédiction de Jah. People love your life, yeah. Malgré les soucis, les aléas, la vie vaut la peine d'être vécue. À nous de changer nos destins. Vivons cet amour qu'on a reçu, yeah. Vivons le n'attendons pas la fin. J'ai décidé de vivre pour remercier la vie. Compris que la dualité fait partie de la vie. Conscient de ce cadeau, de cette divine énergie. J'essaie d'entrevoir le soleil même quand le ciel est gris. Donc je mène ma route entre le sucre et le amer. Je remercie le ciel pour cette existence sur la terre. En quête de l'essentiel, le chemin de la lumière. Je brandis mon slogan, I love life en l'air. Yeah. Big up Canal Austral, puis monter de nuit car Soulja Ben sing, yeah. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Connais quoi? Que le bang. Eh
Eh bien, nous voilà, nous le revoilà après ce morceau, Love Your Life. Hein, yeah. C'est ça. Hein. Bon, moi, je dis comme il comprend. Hein. Et là-dedans, il faut la batterie, il faut la basse, il faut qu'il fait résonner le cœur pour qu'il passe bien. Mais là, nous, avec un guitare seulement, on a fait avec. Hein. Même là aussi, il a bien passé. Ça, même là, c'est pour que le message passe. Voilà, aussi, hein. Voilà. Après tout, c'est faire passer un message. Hein. D'accord. Alors. Et des morceaux comme ça, ça l'a fait beaucoup. Ben, hein. Ça, c'est le premier morceau en français. Premier morceau en français. Sinon, oui. C'est reste en créole. Ouais. Alors, c'est bizarre parce que vous dites, moi, c'est le premier morceau en français alors que le titre est en anglais. Love Your Life. Mais les deux, il travaille les deux avec. Ouais. Voilà. Les bons alors. Et comment ça s'est fait pour faire connaître les autres comme ça? Pas bien sûr d'être sur Canal Austral, hein, mais bon, dans la vie de tous les jours, tu fais des petites scènes, tu fais des grandes scènes, tu fais des. Si, ben, j'utilise déjà ben, les réseaux sociaux, tout ça de la nuit de portée et qu'elle est gratuite pour les. Comment? Pour la diffusion. Et après, ben, nous fait beaucoup ben, de petites scènes associatives. Des scènes là, quand les associations font des journées contre le cancer, contre la misère, tout ça là, ben nous fait ça aussi. Et voilà, ben après nous ça fait notre petit chemin, ben déposer un peu notre Facebook un peu partout dans les services culturels, ben pour gagner un peu des scènes. Même si on n'a pas de manager, nous les indépendants. Ouais. Et dans le groupe n'a que les autres trois, bien d'autres personnes encore. Non, DJ aussi. DJ. Ouais. Qui s'occupe de mettre le son quand on entend chanter. Quand ils sont en prestation, la scène. Ouais. C'est le chef d'orchestre, il me dit arrête, il me dit accélère. C'est presque à la limite d'un beatmaker, non? Voilà, ben c'est IG, tu connais sur la scène, mais tout ce que DJ fait. Mais il fait, il connaît quel effet il faut mettre là, quel ça faut mettre ici. Il me dit, oh, calé. Un mais prolongement de nous, en fait. Il fait un petit coucou, un petit big up. Didier Rolian. Ok, alors, les bons, alors, ok. Et sinon, un page bleu, peut-être aussi, non? Ouais, un petit page bleu. Je tape Lyrical Soldier Facebook. D'accord, alors, hein. Je connais comment il écrit Lyrical, Lyrical. Hein. Yes. Hein, et Soldier. Ça va être connu. Mais bon. Comme pour nous. Voilà. En tout cas, nous sommes contents que vous en ayez fait un petit tour là-bas de si loin pour nous voir à nous. Nous sommes contents de nous voir. Voilà. Et donc, de toute façon, votre clip, les diffusés actuellement, il passe là, c'est le morceau, il s'appelle Ladi Lafay. Oui. Et Ladi Lafay, il fait penser à moi, les deux camions, on est là dans sa route en corniche, puis sous le bon bloc, quand il bascule le chemin. Hein. Mais il faut espérer que d'ici quelques années, ben, là, on aura pu Ladi Lafay. Parce qu'ils auront la route. C'est la meilleure. Donc, Ladi Lafay n'aura pu. J'espère. Ça aura tous, ça. À mon avis, si la terre vraiment l'ouvrait, Ladi Lafay, il faudra attendre longtemps. Ah, oui, très, très longtemps. Il aura toujours, mais tant qu'il peut limiter. Voilà. Parce que Ladi Lafay dans un record, on a le bon Ladi Lafay et le mauvais Ladi Lafay. Ah, c'est comme cholestérol ça là. Ah, oui. On a le bon, le mauvais là. On a le bon. Partout, on a le bon, le mauvais. On a le bon Ladi Lafay, dès qu'on a hésité. Mais Mamaya a fait ça, elle a fait ci. C'est un bon Mamaya. Ça, c'est le bon Ladi Lafay. On a le Ladi Lafay n'importe quoi ici. Ça te détruit. Ça n'a pas vu qu'on l'a fait. Ça n'a pas entendu qu'on l'a fait. Mais tu rajoutes des six, ça te raconte. Ouais, ouais. Et c'est ça, dans l'aide d'écrire un petit peu, je vais voir le clip, les histoires. Comment Ladi Lafay. On va voir tout de suite là, parce que nous mettons le clip tout de suite. Et un numéro de téléphone, non, la pointe. Si, on a un petit numéro de téléphone, 0262 02 11 88. D'accord, l'écran de soi. Ben là, nous, on profite que nous là, fin de annonce aux bonnes associations caritatives, il fait beaucoup de caritatives, ben que nous les à disposition, si on a des journées comme ça, des journées que des journées pour faire prendre de monde conscience, ben si vous êtes là besoin des artistes, nous les là. D'accord. Nous les là et avec plaisir, grand cœur, voilà. Bénévolement pour des associations à but caritatif. Ok, voilà. Ben, très bien alors. Ben, nous retrouvons la prochaine fois alors. Hein? Prochaine sortie de clip, un artiste de la semaine par exemple, ou bien des fois, un petit chant pour nous, un petit reggae, on chante pour nous. Hein? Oui, c'est bon. Pas de souci. Ok, ben, nous retrouvons la prochaine fois. Nous étions dans l'émission Cause pour nous, nous avons bien causé. Bien causé, merci bien. Voilà. Merci à vous. Okay. Canal Austral, Piment TV, nous gardons avec ça même. Ok, alors nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Cause pour nous sur Canal Austral, sur Piment TV. Bien entendu, de toute façon, l'émission est postée tout de suite le jour de sa diffusion sur YouTube, par exemple. Et puis après, vous pourrez faire seulement canalaustral.tv et atterrir directement dessus, tape Cause pour nous et les autres noms. Et puis, arrive directement dessus. Hein, okay, et puis partager, envoyer avec qui vous avez, etc. Tout ça. C'est ça aussi Canal Austral. Allez, tout de suite, le clip Ladi Lafay. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Cause pour nous. Yeah! Ah, on va parler d'un sujet.
suis sûr que tous les gens connaissent bien. Yeah, les huit ans sale déjà ben sing. Yeah, wow, oh, oh, oh. La di la fée, la fée, la fée. Yeah, la de moun fin contaminé. Yeah, yeah. La di la fée, la fée, la fée. My sister malade du beau peut rayonner. Oh my god, la di la fée, la fée, la fée. Wow, oh, oh. Fin arrive, yeah, yeah, yeah. La di la fée, la fée, la fée. My brother, quand comment tu mets de fée. A partout, me connaît de moun. Il gagne pas sans pas ça. Every day a full time, bana, il vit avec ça. Quand nous voisins la route, ça tout occupé, ça n'a point de route. Disons Bana, il connaît nous mieux que nous. Pas un seul qui passe sur la zone, c'est déjà à nous. Et de mounseur qui raconte cette tiroir. Mais comme les filles, pas un qui rajoute des cinégas. Non, man, la dit la fée, la fée, la fée. Ah oui, non, la de moun fin contaminé. Yeah. La dit la fée, la fée, la fée. My sister malade du beau peut rayonner. Oh my god. La di la fée, la fée, la fée, wow, fin arrive, c'est yeah, yeah. La di la fée, la fée, la fée, my brother, pas comment pour mettre de fée. A partout, nan sa titi ou la fée ceci, cela, alors que l'ité même pas là. Pas se balader devant zot, porte zot, y gagne pas, et zot l'est déjà pour blabla. Faut croire que la basse c'est un peu pour ça, parce que les pas possibles couper à tout temps qu'on m'a dit à moi. Porta ou cosa, parce que là vraiment m'y comprends pas. La di la fée, la fée, la fée. La de moun fin contaminé. La di la fée, la fée, la fée. My sister malade du beau peut rayonner. Oh my god. La di la fée, la fée, la fée. Wow, fin arrive, c'est yeah. La di la fée, la fée, la fée. My brother, parce comment pour mettre de feu. A partout. Il serait temps que l'on a fait recess. Ah, à oui. La l'épidémie appelée L2LF. Plus fort encore que le virus s'appelait la peste. Et dedans mon F74 miwak l'on a fait riprogress. C'est le dommage, c'est que d'après un sondage, le personnage Zizazi fait partie de notre entourage. Quand nous donne les toines, il retourne son veste. Fait la dit la fait, ça même même son zeste. Oh shit. La fée, la de moun fin contaminé. La di la fée, la fée, la fée. My sister malade du beau peut rayonner. Oh my god. La di la fée, la fée, la fée. Wow, fin arrive, c'est yeah.